Et salut à tous, c'est Vandal et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Silent Hill 3. Toujours dans la merde, hein. Vous pouvez voir qu'il y a cette croix rouge qui clignote, hein, qui dit « T'as vu, tu vas mourir, t'as vu, tu vas mourir, t'as vu, tu vas mourir, t'as vu, tu vas mourir. » Et ben, on se retrouve ici, dans... Ici, ça pente à des égouts. Ça doit être par là que l'eau s'écoule. Bah maintenant c'est vraiment à la recherche d'objets de soins là, puisqu'on est vraiment dans le caca. Bon, en tout cas, si comment dire? S'il n'y a pas d'ennemis, moi ça me va personnellement. Comme ça je serai, on va dire, tranquille. Et ben, on pourra continuer à explorer tout cet environnement-là de manière paisible. Mais honnêtement, comment dire, ça m'étonnerait. Peut-être pas passer par là. Ah, tu ne sais pas où je suis, tu ne peux pas traverser, espèce de connard. Ah putain, il peut traverser par là. Par contre, ça c'est légèrement merdant. Le fait que tu frôles le truc et ça laisse tomber automatiquement. Bon, on sait que là-bas on peut pas passer. C'est dingue. Se sortir d'un enfer pour plonger dans un autre. Il est délicat ce jeu. Je sens que je vais décéder moi. Le décès arrive. Et le décès est là! Enfin, cette cinématique est très bizarre et lorsqu'on perd, direction ça. Eh oui, c'est pourquoi pas. Donc le continu va m'amener où? À ma sauvegarde. Bah écoute, merci le jeu. Au moins je sais que ce n'est que je ne devrais pas. M'aventurer de ce côté-là de la salle, hein, parce que bah ouais, c'était qui tout double, et malheureusement j'ai perdu. Mais bon, c'est pas. Mais quand même, ça va être quoi, je crois, la sixième ou septième vidéo de Silent Hill 3, je ne sais plus vraiment, j'ai perdu le décompte. Quand même, je suis assez fier de moi. Ma première mort arrive, on va dire, assez tard. Je pensais que franchement, je me disais que j'allais mourir à l'épisode 3 ou un truc comme ça.
Au final, j'ai plutôt bien résisté. Je suis assez satisfait. Et sur ce. Bah, on se défend. Les cèdes. On va avoir des trucs ici. Peut-être recharger, puis ils prennent combien de coups? C'est. Deux cartouches, je l'ai mis à terre. Mais quand même, le fusil de chasse, je pense qu'il va m'être utile. De plus, ce qu'aux œufs. Hein. Il m'est déjà assez utile maintenant. Donc, allons voir. Sacrée tête détritus. Mais d'où ça vient? Ça doit être tous les déchets qui s'accumulent dans les égouts. Dios mios, une ampoule, un séchoir. Je perds mon temps à chercher par ici. Il vaut mieux que je parte. Ça pue! Cette odeur me monte à la tête. Te plaît, dis-moi qu'il y a un truc. Bon, au moins, j'ai envie de dire, on a récupéré une ampoule. Ça, c'est bien. Ah, ça, je suis. Ah, ça soulage. Je veux quand même bien fouiller un fauteuil roulant. Pourquoi jeter un fauteuil roulant ici? Je sais pas, peut-être qu'il roule plus. Mais un séchoir, sérieux? Pourquoi pas? Mais bon, au moins on a. On a récupéré une ampoule. Alors, je pense que je ne décède pas à nouveau. Alors du coup, je m'étais dirigé vers la droite. Ok, on va aller à la gauche. Bonjour. I'm not here. Ah, la porte, elle est où? Saloperie. J'ai pas envie de l'utiliser. Mais bon, sinon c'est le décès. Je sais ce que je vais faire, je vais revenir en arrière. Temporiser. What? Mais what the fuck? Attends, le truc il m'est tombé. On a l'impression qu'il était au plafond. Le truc était au plafond. Le truc était au plafond. Le truc était au plafond! Attends, c'est une trousse de soin, ça, non? C'est un écran de surveillance? Je ne vois rien, il doit être cassé. Le tiroir est ouvert, mais il ne contient que des documents obscurs. Rien d'intéressant. Des papiers jonchent, pardon, le sol. Ils ne semblent pas me concerner. Mais ils sont datés d'aujourd'hui. Étrange. Bon bah. Wouhou! Une sauvegarde! Il y a un léger bug passager, c'est.
Il faut hein, que je sais pas, je change de câble, de manette ou quoi que ce soit, mais c'est un peu emmerdant. Danger! Éloignez-vous! C'était probablement collé sur cette porte. On peut encore voir la marque. Ah oui, ça je me rappelle. C'était un peu comme dans comme dans F1 Dead 2. Il y a un monstre qui risque de sortir de l'eau qu'on peut pas voir hein, parce qu'il fait sombre. Mais c'est quelque chose comme ça. Donc je me souviens aussi de la manip qu'il faut faire. Là, une sortie. Et là, on utilise en fait le séchoir. Se voit ce qui nous attend. À ce qui nous attendait. Le séchoir n'est pas branché. On dirait que ce séchoir a un cordon plus long que la normale. Que du coup, si on s'aventurait sur ce pont et qu'on n'électrifiait pas l'eau, et ben cette chose nous chopait par les pieds et puis bah. On faisait une petite baignade. Et comment dire? Eh ben on décède parce qu'on peut pas remonter à la surface. C'est une espèce de machine compliquée. Elle n'a pas l'air branchée, j'y touche pas pour l'instant. Pour l'instant. Rien ici. Oh, ça pourrait me donner, je sais pas, un peu de soin. Alors, du coup, je me retrouve de l'autre côté et j'ai l'impression qu'il y a une seule issue. Il y a ces putains de trucs qui me donnent mal au crâne. C'est pas ça que je voulais faire. Je sais pas comment ils ont fait leur affaire pour penser à ces créatures, mais. C'est un truc de dingue quoi. Ah et enfin et quand même ça fait du bien quand ça s'arrête. Oh là là. Et là je ne suis plus sur la map. Mais nom de Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien quand ça s'arrête. Attention, je suis armé, hein. Hein, quelle femme, hein. Elle peut monter à une échelle avec un fusil de chasse. Hein. Je pensais que c'était une cinématique. Apparemment, j'ai l'impression que les égouts sont terminés. Mais on n'est pas encore entré chez nous. Bien voir. Où est-ce que
Parce que nous sommes tombés. Oh! Quelle ambiance, elle est charmante. Ça veut dire continue à monter. Le plafond du troisième s'est effondré. Ne pas entrer pour des raisons de sécurité. Ah oui, en même temps, si le plafond s'effondre, ça m'étonnerait qu'on aurait pu entrer. Le plancher du quatrième. C'est assez logique, hein, parce que le plafond du troisième correspondrait au plafond du quatrième, vu que ça a l'air d'être un immeuble. Continuons. Comme si c'était une personne qui était coincée. Des bouteilles et des boîtes vides. On dirait que quelqu'un vivait ici. Un matelas et tout. Pouah, un matelas pourri. Ouais, une boisson revigorante. J'en ai trouvé trois. Je cherche un endroit sauvegardé et je peux arrêter là. Car l'impression que cet endroit va être pour le moins un peu long, je pense. Bah. C'est quoi ce bruit? Comme si quelqu'un jouait de la percussion. D'une manière assez curieuse. Je pense que là on peut le débrouiller. Le truc n'a pas entièrement endommagé. Je pense qu'on doit être au quatrième là. Ah, ou quoi que, c'était peut-être cette porte-là. Non, ça a rien à voir. Ouais, mais c'est pas possible. Ça c'est vraiment énervant avec leur bruit immonde. C'est un cul-de-sac, voilà. Après, alors bloqué.
incroyable le nombre de balles que ça prend ce machin. C'est hallucinant. Rien ne sert de se battre, autant... Oula! Autant fuir. En fait, autant aller nulle part, en fait. Et ce truc... Ouais, mais là j'ai l'impression que je peux aller un peu nulle part. Alors, il y a un truc que j'ai mal vu. Ah bah c'est peut-être là. Table couverte de papier. Mais je ne vois aucune info intéressante. Si on n'a pas un truc ici, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Le carton est plein de bras et de jambes de mannequins. Tu m'étonnes que t'aies peur. Tu rentres et tu tombes dans une pièce comme ça ne rassure pas. Ah, j'ai tapé, j'ai... D'accord. C'est du sang? What the fuck? Comme si on l'avait décapité, mais que je n'ai rien vu. Ce jeu est malsain. Qu'avons-nous là? Ah, nous sommes au Hilltop Center. J'ai le plan du corps administratif. Le bureau est encombré de trucs, mais je ne vois rien d'intéressant. Le truc, c'est que je sais qu'elle regarde avec attention quelque chose. Ah bah voilà. Le tiroir s'est très légèrement ouvert. Il doit être rouillé, je ne peux pas l'ouvrir davantage. D'accord, c'est juste pour ça. Quand même, égout, égout. Enfin bref. Le bureau de la salle de bal. On a
déjà 2h06 de temps de jeu à notre actif, hein. C'est énorme déjà. Et j'ai l'impression d'être encore vraiment au début. Bon, en tout cas, voilà, c'est. On a enfin triomphé des souterrains, égouts, appelez ça comme vous voulez. Avec une mort en prime, hein, c'était bien. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous pour la suite de Silent Hill 3. Portez-vous bien et salut!